Bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de la rédaction de TV Plus Madagascar. Vous êtes toujours aussi nombreux à être fidèles à notre rendez-vous de 18h30, ce dont nous vous remercions. Ce soir, nous aborderons les discussions sur le salaire à Madagascar, le domaine de l'énergie ou encore le litige des conseillers municipaux. D'Antananarivo, entre autres, voyons ensemble les titres. Le président André Zouilm avait tenu une réunion de concertation au Palais Diavlo ce jour avec le groupement du secteur privé. L'objectif est de discuter de l'application de la hausse des salaires des travailleurs malgaches face à l'inflation inévitable liée à la conséquence de la guerre en Ukraine sur le plan international. La remise en service du deuxième groupe d'Indécalique est réussie après plusieurs mois de travaux. Le matériel arrive actuellement à fournir 30 MW, ce qui permettra d'augmenter progressivement l'approvisionnement du réseau interconnecté d'Antananarivo et ainsi réduire le gap enregistré. Sept conseillers municipaux, dont Clément Sarrar-Nérine, ont été déférés au parquet du tribunal à Anous après avoir été convoqués dernièrement à la brigade de cybercriminalité. Ils sont poursuivis pour diffamation par voie de presse et de réseau social à l'encontre de la conseillère Lalatina Ravoulmana. Un quartier du centre de la capitale ukrainienne Kiev a été la cible jeudi soir de deux missiles tirés par la Russie, faisant plusieurs blessés et au moins un mort. La ville n'avait plus été touchée par les bombardements depuis mi-avril. Et cette attaque a eu lieu lors de la visite du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, dans le pays. Le président de la République, André Zouilm, avait tenu une réunion de concertation au Palais Diavlo ce jour avec les groupements issus du secteur privé. L'objectif était de discuter de l'application de hausse des salaires des travailleurs malgaches face à l'inflation inévitable liée à la conséquence de la guerre en Ukraine sur le plan international. Le président de la République appelle le patronat à coopérer pour apaiser les éventuels chocs économiques liés à cette crise au sein des foyers malgaches. Le président de FIFPAMA, Rivra Kutunjasand, a déclaré qu'une hausse de 9,9% des salaires avait déjà été convenue, mais que le groupement la juge insignifiante par rapport à l'inflation inévitable, ce qui constitue l'objet des revendications du secteur privé auprès de l'État. Fiavanadouni, Ifrasat. Comme il l'avait annoncé lundi dernier, le président de la République, André Zouilm, organise une rencontre avec les groupements professionnels du secteur privé ce jour au Palais Diavlo. L'objectif étant de discuter de l'application de la hausse des salaires des employés dans ce secteur. Le chef de l'État avait déjà annoncé que les salaires des fonctionnaires seront revus à la hausse. Aussi, il se prononcera bientôt pour la déclaration officielle du taux de cette hausse. La concertation de ce jour permettra de trouver ensemble les moyens nécessaires pour amortir les chocs ressentis par le secteur privé à cause de l'inflation inévitable liée aux conséquences socio-économiques de la guerre en Ukraine sur le reste du monde. Cette concertation a pour but d'améliorer l'environnement du secteur privé et les conditions des employés malgaches pour faire face à l'inflation. Nous allons voir ensemble la manière d'appliquer la hausse des salaires, selon le président André Zouilm, devant les 11 présidents des patronats d'entreprises et d'industries à Madagascar. Le président Zouilm avait rappelé que c'est en de telles périodes difficiles que la solidarité est essentielle et tous se doivent de veiller au bien-être de la population et des foyers malgaches. J'en appelle à vous tous à travailler de concert, à s'aider mutuellement pour soutenir les employés malgaches qui subissent l'inflation liée au choc économique de la crise mondiale, selon ses propos. De son côté, le président du FIFPAMA, Rivra Kutunjasand, a déclaré qu'une hausse de 9,9% des salaires dans le secteur formel a déjà été actée avec la Confédération des travailleurs de Madagascar fin mars 2022. Le groupement des patronats admet pourtant que cette hausse est insignifiante par rapport à l'inflation actuelle qui risquerait de s'intensifier et de persister. Le président de la République, André Zouilm, a lui-même de réitérer dans la matinée que la hausse des prix des carburants, base du rouage de l'économie, sera inévitable. Rivra Kutunjasand a donc soumis cette situation à négocier avec l'État. Le président Zouilm avait également profité de la rencontre pour réitérer le soutien de l'État pour un climat de prospérité de l'entrepreneuriat à Madagascar. Il a rappelé l'effort du régime dans le secteur de l'énergie, de la création d'emplois, de l'agriculture et de l'élevage, ainsi
que la priorité dans la réhabilitation des routes. Les réactions fusent quant à ce projet de hausse des salaires des fonctionnaires et du secteur privé. On attend la décision du président Andrzej Duda à l'approche de la fête du travail du 1er mai. La remise en service du deuxième groupe d'un décalé qui réussit après plusieurs mois de travaux. Le matériel arrive actuellement à fournir 30 MW, ce qui permettra d'augmenter progressivement l'approvisionnement du réseau interconnecté d'Antananarivo et ainsi réduire le gap enregistré. Le générateur reste toutefois en observation afin d'éviter tout dysfonctionnement selon la Chirama. Mamtina Djembluna Omeka Hanevzona. Après l'incendie du 2 janvier 2022, la centrale d'Indécalec a complètement cessé de fonctionner. Des travaux ont ensuite été effectués pour remettre sur pied cette centrale hydroélectrique qui assure l'approvisionnement en électricité du réseau interconnecté d'Antananarivo. Lors de l'incendie, aucun groupe ne fonctionnait et actuellement, un groupe a été réparé selon Rivre Daniel, directeur général de la Djirama. Hier, les techniciens ont procédé au redémarrage de l'autre groupe G2. Au début des réparations, sa puissance était de 7 MW. Puis, après une augmentation progressive, le groupe a atteint sa capacité maximale de 30 MW. Le générateur reste toutefois en observation afin d'éviter tout dysfonctionnement. Ainsi, la centrale hydroélectrique d'Indécalec génère actuellement 56 sur 90 MW, dont 30 MW sont fournis par le G2, qui est opérationnel depuis février, et les 26 MW par le G3. Suivant la remise en service du G2, les techniciens remettront directement à neuf l'autre groupe restant G1. D'après le directeur général de la Djirama, trois groupes seront fonctionnels dans cette grande centrale d'Indécalec d'ici mi-mai. Une fois les trois groupes fonctionnels, les techniciens installeront le groupe G4. 70% des travaux d'installation de ce nouveau groupe ont déjà été effectués d'après les explications. Une fois ce groupe mis en fonction, Indécalec produira 120 MW d'énergie renouvelable, selon toujours le directeur général de la Djirama. La session ordinaire des parlementaires débutera ce mardi 3 mai par application aux dispositions de la Constitution de Madagascar. Par l'adoption des projets de loi proposés par le gouvernement, les députés et les sénateurs effectueront également leurs rapports d'activité au niveau des districts et des communes aux membres du gouvernement. Les sénateurs de leur côté auront à plaider plusieurs causes liées aux problèmes de gestion de budget des maires. La cérémonie d'ouverture officielle de la session ordinaire du Sénat sera retransmise en direct sur TV+, Madagascar, ce mardi 3 mai. Zoura Barzone. La constitution de la 4e République de Madagascar dispose que les parlementaires se réunissent de plein droit en deux sessions ordinaires par an. Aussi pour cette année, la première session ordinaire des parlementaires débutera ce mardi 3 mai pour une durée de 60 jours. Il est attendu que les parlementaires adoptent des projets de loi proposés par le gouvernement pendant cette session. Les sénateurs de leur côté auront à faire des rapports au gouvernement, surtout face aux nombreux problèmes des maires dans la gestion du budget communal, des cas relatés lors des descentes effectuées pendant les 4 premiers mois de l'année. Par ailleurs, comme également prévu dans le règlement intérieur du Sénat, la loi des finances rectificatives 2022 passera également devant les parlementaires durant cette session ordinaire. La cérémonie d'ouverture de la session des députés est prévue pour ce mardi 3 mai à 11h et celle du Sénat à 15h. Le tout sera retransmis en direct sur TV+ Madagascar et commenté par nos journalistes Gracia Angiasitwirna et Zoura Barzon. Sept conseillers municipaux d'Antananarivo, dont Clément Sarar Nirin, ont été déférés au parquet du tribunal à Nous après avoir été convoqués dernièrement à la brigade de cybercriminalité. Ils sont poursuivis pour diffamation par voie de presse et de réseau social à l'encontre de la conseillère Lalatina Ravlulmanan. Cette dernière de confirmer ce jour qu'elle soutient le maire d'Antananarivo à travers ses modes de gouvernance
gouvernance transparente. Ce serait ainsi la raison pour laquelle les autres conseillers l'accusent de complot dans des détournements de fonds au sein de la CEA, notamment à travers la détention de 20% des actions dans la Société municipale d'assainissement ou SMA, des allégations qu'elle refute complètement. Fenjisena, Enamana Kasna, Eric Ranefson. Après l'enquête de la brigade de cybercriminalité sur les deux conseillères municipales de la ville d'Antananarivo, dont Clémence Raharnirin et Lili Rafaralai, le mardi 26 avril dernier, ils sont finalement sept conseillers municipaux à avoir été déférés au parquet du tribunal d'Anous ce jour. Ces derniers sont poursuivis pour divulgation de fausses informations, ainsi que de diffamation par voie de presse et de réseau social à l'encontre de la conseillère municipale, la Latine Ravloulmanan. Je suis accusée publiquement d'être complice du maire de la commune urbaine d'Antananarivo dans des actes de détournement au sein de cette commune, plus précisément dans la Société municipale d'assainissement, ou SMA, au sein de laquelle je suis membre du conseil d'administration, explique la Latina Ravloulmanan devant la presse ce matin. En tant que membre du conseil d'administration représentant les conseillers municipaux, on nous a confié un prêt d'action pour qu'on puisse en observer de près le mode de fonctionnement, selon ses dires en niant le fait de posséder 20% des actions de cette société. Si depuis toujours, cette conseillère municipale était du côté de l'opposition au sein de l'administration de la ville d'Antananarivo, dorénavant elle décide de se ranger du côté du maire Nenanjia Tsitouen. La Latina Ravloulman en affirme qu'elle soutient les efforts entrepris par le maire actuel sur le développement de la ville d'Antananarivo et surtout sur le respect des prescriptions légales y afférentes. Elle témoigne que c'est dans cette période de gouvernance du maire actuel que la lutte anti-corruption au niveau communal a été fructueuse. Côté social, grâce à la mise en place de la Société municipale de gestion digitale, les taxes quotidiennes de tous les commerçants sont désormais versées dans la caisse communale. Si avant, certaines personnes en tiraient profit illicitement, la Latine Ravloulman en a conclu que c'est à cause de son soutien au maire de la capitale que les autres conseillers cherchent à nuire son image et ont effectué ces diffamations. L'insuffisance ou l'indisponibilité des livres et ouvrages pédagogiques auprès des écoles primaires publiques constitue un obstacle au développement mental et à l'amélioration des connaissances des élèves. En effet, à part le nombre insuffisant des manuels, les élèves n'ont pas le droit d'en emporter chez eux. De plus, ces élèves sont pour la plupart issus de familles défavorisées avec des difficultés financièrement écœurantes. Ainsi, pour améliorer les connaissances des élèves et leur fournir des opportunités de lecture à domicile, l'école primaire publique d'Apasanja Tsarahoub à Mbunjin bénéficie d'une nouvelle bibliothèque et s'est vue équipée de nouveaux livres. Ancharalalarsu Omega Khanefson. La lecture est une bonne méthode permettant d'enrichir les connaissances des élèves. Selon la directrice de l'école primaire publique d'Ampasanja Tsaraoubi, dans le Fukuntan d'Ambunjn, dans la capitale, en lisant des livres, les élèves puisent de nombreuses ressources de développement cognitif également et de capacité d'assimilation. Or, la plupart des écoles publiques, surtout les écoles primaires publiques, ne possèdent pas suffisamment de livres pour leurs élèves. Certaines d'entre elles, surtout celles se trouvant dans les zones rurales reculées, se retrouvent même démunies de manuels pédagogiques, et cela malgré l'initiative du ministère de l'Éducation nationale dans la distribution de manuels scolaires depuis toujours. Pour certaines écoles qui en ont déjà bénéficié, la lecture est encore limitée dans l'enceinte de l'établissement et les élèves ne peuvent pas encore en emprunter pour une utilisation à domicile. Ainsi, pour améliorer la situation, l'école primaire publique d'Ampasanja Tsaraoubi vient d'être dotée d'une nouvelle bibliothèque et de nouveaux livres. Les élèves de cette école primaire publique pourront donc emporter des livres à lire chez eux. À part cela, la lecture à la bibliothèque sera désormais une activité obligatoire pour chaque classe après les cours. Les élèves devront désormais fréquenter la bibliothèque pendant 30 minutes. La cérémonie de présentation de cette nouvelle bibliothèque a eu lieu ce jour. Place maintenant aux actualités internationales.
Un quartier du centre de la capitale ukrainienne, Kiev, a été la cible jeudi soir de deux missiles tirés par la Russie, faisant plusieurs blessés et au moins un mort. La ville n'avait plus été touchée par les bombardements depuis mi-avril et cette attaque a eu lieu lors de la visite du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, dans le pays. France 24. L'urgence et la panique dans la capitale ukrainienne. Le centre de Kiev a été touché jeudi soir par plusieurs missiles russes après deux semaines d'accalmie. L'attaque, qui a fait au moins une dizaine de blessés, est survenue en pleine visite du secrétaire général de l'ONU. Je ne pense pas que le fait que le secrétaire général soit dans la capitale ukrainienne ou non soit important. Ce qui compte, c'est qu'une attaque ait eu lieu et cela m'a choqué, car Kiev est une ville sacrée pour les Ukrainiens comme pour les Russes. Le président ukrainien a immédiatement fustigé cette attaque. Cela en dit long sur la véritable attitude de la Russie envers les institutions mondiales, sur les efforts des dirigeants russes pour humilier l'ONU et tout ce que l'organisation représente. Plus tôt dans la journée, le secrétaire général de l'ONU a rencontré Volodymyr Zelensky dans la foulée de sa visite à Moscou. Au menu des discussions, le défi humanitaire. Antonio Guterres a réaffirmé son soutien au peuple ukrainien tout en dénonçant les manquements de son organisation. Permettez-moi d'être très clair, le Conseil de sécurité a échoué à mettre tout en œuvre pour empêcher et mettre fin à cette guerre. Et cela est source de grandes déceptions, frustrations et colère. Dans la matinée, il s'était rendu dans plusieurs villes de la périphérie de Kiev, des lieux de multiples exactions présumées, comme ici, à Borodyanka. Rien ne justifiera jamais cette guerre. C'est inacceptable au XXIe siècle. J'imagine ma famille dans une de ces maisons complètement détruite. Je vois mes petites filles s'enfuir en panique, abandonnant derrière elles tous ces morts. Direction ensuite Boutcha, devenu le symbole de la brutalité et des violences russes. Le patron de l'ONU appelle la Russie à coopérer avec la Cour pénale internationale qui a ouvert une enquête pour de possibles crimes de guerre commis dans cette ville. Mais la Russie continue de nier tout crime. Merci d'avoir suivi cette édition jusqu'à son terme. Avant de clôturer, nous mentionnons qu'il vous reste plus de quelques jours pour s'inscrire à la télé-réalité copie-collée à Diego Suarez et à Majunga. Et voilà, le journal s'achève ici, mais n'oubliez pas notre rendez-vous de 19h30 pour la version malagasy avec toujours plus d'informations. Bonsoir.